voilà, reparti au départ d'Aïdius. Aujourd'hui on va aller se faire le pic du Montagnon d'Iseille. Et le Mardas, on repart avec Jackie. On va se régaler, il fait bien frais, la neige va porter, elle va nous transporter. À coup de crampons et de piolets, ça va être un peu plus engagé physiquement aujourd'hui. Ah oui. Depuis la piste forestière, on a rejoint un sentier qui nous a mené jusqu'au cirque. On en a fait le tour en passant par le Mardas et le Montagnon d'Iseille avant de redescendre par les crêtes de Barca. C'est pas mal d'avoir un sifflet pour avertir en cas de problème, signaler sa position. C'est pour la gendarmerie ça. C'est le sifflet de mon frère. Dans la tâche du sac toi. Intégré. Ah c'est pas mal ça. Oh oh oh. Et pour aller où? Bon, petit point carte et ça repart. Et là-bas, on voit le Petrao Belo Undaret qu'on a fait la semaine dernière. Magnifique. Ça peut aussi servir le sifflet pour retenir les plus fougueux qui partent devant sans connaître le chemin. Donc on a le Bergon juste là, à notre droite. C'est marrant parce que vu d'ici, il a vraiment pas la même tronche. J'ai retenu une phrase que j'ai entendue à la radio l'autre jour. En randonnée, tous les 100 mètres, le monde change. Quand on regarde les sommets, selon leur face, nord, sud, ouest, ils ont pas la même ganache quoi. Qu'on peut vraiment contempler tout du long et se régaler les yeux quoi. Ah c'est pause pipi hein. On a rarement vu une pissotière avec une vue comme ça hein, quand même. Et ça repart. Eh c'est beau la vallée d'Aspin quand même. On va monter là-haut, on va se faire la table de Ponce, on va rejoindre le Mardas, puis le pic du Montagnon d'Iseille, et on va redescendre par la crête, là sur la gauche. Et on devrait avoir des points de vue vraiment pépites. C'est l'heure de la pause? Pause banane, à votre santé. Et ça repart! Et on change les crampons. Ça va devenir de plus en plus difficile hein, maintenant. Allez mon gars. Bon ben nous voilà, on a atteint le Mardas et on va faire la pause déjeuner ici. Et qu'est-ce que c'est? Pomme roll. Oh, ouais. Tu me la régales. Ah oui. Bon, on s'en est mis plein le fusil, on s'est tapé la cloche bien comme il faut. Et maintenant, on repart. Le vent s'est levé et les températures ont bien chuté. Le Montagnon d'Iseille à 2175 mètres, enfin! C'est ballot quand même, on le voit pas le lac. Mais là, il a forme de, oui, bah, bien, on forme le... de cœur alors. Oui, on le voit parce qu'on sait qu'il est là. Mais quelqu'un qui le sait pas, il se dit ouais, bon. Attends, moi je peux te dire, ça fait un moment que j'attendais ce lac. Ah oui. J'avoue, je suis un peu déçu. Bon, là on le voit pas, mais le lac il est là sous la neige. Hein. On a vraiment un très très beau paysage. Bien qu'on ne voit pas très bien le lac, c'est là qu'on se dit qu'on n'a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour voir des paysages à couper le souffle. Je crois qu'on a le plus beau pays du monde en fait. Il faut aller l'explorer, il faut sortir, il faut le visiter, il faut aller le découvrir, il faut aller en profiter, il faut aller cueillir ses points de vue. C'est vraiment une belle richesse qu'on a. Et on redescend par la crête de Barca. C'est parti. N'hésitez pas à cliquer sur le petit... Putain, je vais me casser la gueule. Juste un petit clic pour s'abonner. Plus on est de fous, plus on rit. Un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour aller se la régaler dans une toute autre région. On ira en Massif Central, je pense. Allez, ciao !